Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une petite vidéo de mise au point sur ma philosophie de vie impactant ma méthodologie de travail et mon activité d'éducateur câlin. Je voulais en profiter également pour faire un petit point sur l'actualité et l'évolution de la chaîne YouTube en conséquence. Donc pour ceux qui suivent mon travail et qui sont abonnés à ma chaîne YouTube depuis plusieurs années maintenant, vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose de nouveau sur la petite introduction que je vais vous faire. Sinon pour les autres, ce sera l'occasion justement d'avoir un petit point sur qui je suis. Donc je m'appelle Romain Mousset, j'ai 32 ans, j'ai grandi dans le Gâtinais en région centre. Et mon père étant musher, j'ai eu l'occasion de passer toute mon enfance au contact des chiens, meute de huskies et de groenlandais. À l'âge de 18 ans, je me suis engagé dans la gendarmerie nationale, puis plus tard dans l'armée de terre comme commando de renseignement et ensuite comme maître chien d'intervention en infanterie de combat. Ainsi, j'ai pu pendant plusieurs années apprendre vraiment le dressage du chien à une destinée utilitaire à travers des méthodes d'éducation dites traditionnelles ou coercitives. Et j'ai eu l'occasion de monter des chiens en recherche d'intervention, en attaque, au mordant et en pistage. À cette époque, je formais une équipe cynotechnique avec un berger belge malinois qui m'a permis d'aller notamment jusqu'au championnat de France de chiens militaires en 2012, le fameux CNCM. Après plusieurs années de service, durant lesquelles j'ai été confronté à des chiens proposant des troubles du comportement assez importants pour certains d'entre eux, j'avais décidé de quitter l'institution militaire et de chercher une formation en comportement canin afin de mettre des mots sur ce que j'avais pu voir et sur les chiens vis-à-vis desquels j'avais pu être confronté sur donc ces fameux troubles du comportement. À l'époque, le seul organisme qui était reconnu par l'État pour former une formation diplômante était l'EAPAC de Toulouse, formé par le vétérinaire Alain Weiss. Et à cette époque-là, j'ai eu l'occasion d'être formé sur mes premières notions de bien-être animal, d'éthique, en prenant en compte les besoins fondamentaux, le biotope, et vraiment partir sur d'autres process éducatifs. Suite à cela, j'avais été à l'époque au CFPPA de Sibens dans l'Ain afin d'obtenir mon brevet professionnel d'éducateur canin, qui était le seul centre de formation délivrant un diplôme d'État intégralement orienté en méthode positive. Et j'ai eu l'occasion d'être notamment initié à la rééducation comportementale au clicker training avec Nicolas Tessier. Et j'ai eu l'occasion d'avoir différents intervenants comme une éthologue, comme une chercheuse au CNRS et évidemment des éducateurs et des vétérinaires. Donc suite à cela, moi je me suis installé dans le département du Morbihan il y a maintenant presque 5 ans. Et j'ai lancé ma petite auto-entreprise, donc d'éducation canine et de rééducation comportementale. J'ai continué à me former par la suite, je suis devenu notamment formateur agréé par la préfecture pour tout ce qui est formation de chiens de catégorie. Je suis également intervenant PECRAM, ce qui me permet de pouvoir intervenir dans les centres scolaires et les lieux d'accueil de la petite enfance pour animer des ateliers pédagogiques sur des projets de sensibilisation morsure et apprendre des connaissances générales à un jeune public. Et j'ai eu l'occasion également, et j'ai l'occasion encore actuellement, d'intervenir depuis maintenant un an à l'association La Louvrie, qui est un lieu de vie et d'accueil d'enfants porteurs de troubles comportementaux assez lourds. Et ce qui me permet également donc de travailler autant avec tout un chacun propriétaire de chiens de compagnie, mais également des publics divers. Donc, j'ai eu l'occasion notamment d'animer des ateliers publics sur la Poissille de Quiberon il y a 2 ans maintenant, sur des animations estivales, où on avait fait venir plus de 10 000 personnes, je crois, sur 3 dates. On avait eu l'occasion également de faire venir plusieurs personnes dans le cadre de stages ou d'ateliers pédagogiques que j'ai pu mener par la suite. J'interviens également donc en médiation animale et
je suis assez multitâche dans mon activité. J'ai eu donc l'occasion de connaître l'éducation coercitive et l'éducation dite positive, où le renforcement se faisait à base de jeux, à base de récompenses alimentaires. Et je me suis progressivement éloigné de ces méthodes consistant à formater le chien dans un environnement de vie qui ne lui est pas idéal. Fondamentalement, l'homme, nous, notamment en tant que Français, mais plus largement en tant qu'Occidentaux, nous vivons dans une société qui nous... Je vais faire attention aux mots que j'emploie. Nous vivons dans une société qui n'est pas adaptée, finalement, à nos besoins fondamentaux. Nous nous éloignons considérablement de la nature, de notre animalité et de nos besoins primaires. Ce faisant, lorsque l'on adopte un chien qui lui-même a des besoins primaires qui sont encore plus importants que ceux de l'humain en termes de liberté, en termes de rapport à la nature et en termes d'énergétisme, nous ne pouvons conduire un chien à être bien dans ses pattes, dans notre société, en le conditionnant, en le formatant, puisque nous-mêmes, déjà, nous ne sommes pas forcément dans des capacités idéales pour évoluer dans cette vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais plus qui disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé d'être bien adapté à une société malade. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'humains, comme je le disais précédemment, nous sommes vraiment éloignés de notre animalité, de nos besoins fondamentaux et du respect de notre propre bien-être. Ainsi, lorsqu'on adopte un chien, on ne peut pas lui demander de se formater à un environnement de vie, à des conditions de vie de sa famille humaine d'adoption, qui elles-mêmes sont fondamentalement éloignées de leurs propres besoins. Il y a bientôt 2 ans, ma vie a pris un changement radical. Je me suis éloigné de toutes les dynamiques urbaines, du mode de vie, on va dire, tel qu'on nous l'a vendu dans notre société. Je me suis rapproché de la nature et j'évolue désormais en pleine campagne, à Saint-Jean-Brévelay, sur le plateau de Pumlec et au niveau des Landes de Lanvaux et du Massif armoricain. C'est un lieu qui énergétiquement, géographiquement est très sain, magnifique, et j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de personnes dans cette nouvelle vie qui gravitent dans des activités, dans des philosophies de vie qui ont changé en profondeur ma façon de penser et ma façon d'être. J'ai l'occasion désormais de côtoyer au quotidien des canaux directs, des géobiologues, des démonologues, des chamans, des magnétiseurs. Et finalement, je me suis assez éveillé sur tout un tas d'aspects de notre vie. Cela fait plusieurs années que nous vivons, je pense, la fin de notre civilisation, ou en tout cas la fin de la société telle qu'on l'a imagé, telle qu'on l'a appris dans nos livres à l'école et telle qu'on nous l'a vendu. Depuis la crise Covid, les choses se sont radicalement accélérées et lorsque je vois, avec la chance que j'ai d'être mon propre patron, la chance que j'ai de vivre assez en marge de la société et d'avoir le recul nécessaire me permettant cette analyse, je vois des gens de plus en plus effrayés, prêts à se faire modifier génétiquement par piqûre et finalement s'éloignant d'autant plus de leurs besoins fondamentaux qu'ils sont maintenant noyés dans une fausse information et dans des discours de peur et de terreur. Donc face à cela et face à l'urgence qu'il y a de s'éveiller et de prendre conscience que nous ne sommes vraiment pas heureux, que nous ne sommes vraiment pas à notre place dans la vie que nous menons, pour une grosse partie d'entre nous, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée justement à la rencontre de ces personnes qui vivent
dans le département du Morbihan, peut-être près de chez vous, si vous habitez dans ce secteur et que vous me suivez. Mais j'ai décidé donc de donner la parole sur des entretiens fleuves de 45 minutes à 1 heure à ces chamans, à ces énergéticiens, ces magnétiseurs, ces acupuncteurs, ces canaux directs, à toutes ces personnes qui font partie de ce qu'on va appeler les thérapies alternatives, les pseudo-sciences, et tout ce qui va être généralement mis de côté et discrédité vis-à-vis de la société. Parce que lorsque l'on voit toute cette médecine allopathique officielle aller de concert avec les discours de nos gouvernements qui nous éloignent une fois de plus de tous nos besoins fondamentaux et du bien-être de manière générale, je pense que s'éveiller, ou en tout cas adopter un autre prisme de lecture auquel vous êtes peut-être ouvert, mais sans forcément avoir les bonnes adresses, les beaux contacts, j'ai décidé donc d'offrir à mes abonnés, aux personnes qui suivent mon travail, ou peut-être de manière générale à vous qui me découvrez au hasard de cette vidéo, ces personnes qui vont vous apporter leur philosophie de vie, leur manière de voir les choses, de vivre au quotidien, ce qui permettra peut-être d'influencer, voire de modifier votre prisme de lecture qui est peut-être uniquement centré sur toutes les problématiques que nous ancrent inconsciemment les médias traditionnels. Au-delà de la simple découverte de ces personnes, ce que je vais tenter de garder en fil rouge lors de ces entretiens, c'est l'impact qu'il peut y avoir vis-à-vis des chiens de compagnie. Puisque fondamentalement, cette chienne, qui à la base présentait des notes de lecture et s'est un peu élargie sur d'autres formats, tente à vous apporter des outils, des connaissances pour mieux vivre au quotidien avec votre chien. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que depuis 2 ans, une fois de plus, ma vie a fondamentalement changé de par cet éloignement voulu de la société, de par ces nouvelles connaissances que j'ai acquises et qui font partie une fois de plus maintenant de mon cercle social, des personnes avec lesquelles j'évolue quotidiennement. Cela a fondamentalement changé ma vision des choses et évidemment mon travail. Maintenant, je n'envisage plus en tant qu'éducateur canin de résoudre un problème de comportement en se basant uniquement sur le chien et sans prendre en compte l'humain. C'est-à-dire que lorsque les personnes vont faire appel à moi pour un trouble du comportement, je vais autant creuser le chien que son humain familier. Et je vais pouvoir proposer à ces personnes, ces propriétaires de chiens, ces clients faisant appel à moi, des orientations vers différentes thérapies, différents soins, qui pourraient, en parallèle d'un travail avec leur chien, permettre à la dynamique et finalement à la famille humain-chien qui fait appel à moi de trouver un juste milieu et un équilibre pour une relation optimale. Boris Cyrulnik a beaucoup travaillé sur le concept de chien miroir que j'ai eu l'occasion de développer au travers de vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à voir. Le concept du chien miroir veut qu'une large partie des problématiques que nos chiens nous apportent, enfin qu'une large problématique pardon, que les chiens développent, ont un impact avec nous, nos problématiques à nous, parfois notre inconscient, notre subconscient. Guillaume Bretzner, un anthropozoologue et éducateur canin que j'ai eu l'occasion de suivre en séminaire, travaille pour certaines problématiques comportementales de chiens avec une psychologue. Et souvent, même moi de manière générale, j'ai déjà pu l'observer, sans même travailler sur le chien, mais en faisant prendre conscience à son humain familier des problématiques que le chien soulève chez lui, lorsque l'humain prend conscience parfois de certains fondamentaux comme le fait de lâcher prise, comme le fait de prendre du recul ou d'effectuer un travail sur soi, généralement il n'y a plus de problème sur le chien à l'issue. Évidemment, si vous avez un chien qui attaque les enfants,
Vous auriez beau travailler le lâcher prise et faire un travail sur vous, si la problématique vient du chien, il est nécessaire de travailler sur le chien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines problématiques spécifiques sur lesquelles effectuer une rééducation au clicker training ou faire appel à un éducateur canin sans prendre en compte la charge émotionnelle de l'humain derrière, c'est un petit peu travailler sur le symptôme mais sans travailler sur la cause. David Ledorf, un stagiaire que j'ai reçu en formation d'éducateur canin, avait la citation suivante qui émanait de son centre de formation qui était « On ne résout pas un problème dans le problème ». Donc si vous avez un problème spécifique, faire appel à un bon éducateur canin. Caron, tu n'es pas transparent mon chien. Tu veux pas aller te baigner? Tu me déranges un peu actuellement mon gros. Caron, je fais une vidéo. Donc si on ne résout pas le problème dans le problème, il faut comprendre que, fondamentalement, certaines problématiques comportementales doivent se résoudre, doivent être travaillées sur le prisme de l'humain. Donc le fait de faire appel à moi peut souvent déstabiliser le propriétaire de chien faisant appel à moi parce que je vais adopter des prismes de lecture ou des axes de travail qui ne sont pas généralement utilisés par la plupart des éducateurs canins. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres, ça veut dire que je vais utiliser des outils dans mon travail qui peuvent parfois étonner. Mais le fait de réaliser ces entretiens, de donner la parole à ces personnes qui m'ont permis de changer de prisme de lecture, peuvent permettre à tout un chacun, une fois de plus, et à mes clients, de comprendre les outils, les apports de connaissances que je vais pouvoir leur apporter. Donc, voilà ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Je vais lancer prochainement des entretiens pour donner la parole à ces personnes-là dans le département du Morbihan, proche de chez vous peut-être, si vous êtes aussi morbihanais et breton de manière générale. Et j'avais envie d'apporter un petit peu une bouffée d'air frais, en tout cas sur la société et toutes les problématiques que nous avons actuellement, et de manière générale apporter un contenu un peu moins intellectuel et un peu moins lourd, tel que j'ai commencé à le faire sur la chaîne YouTube depuis plusieurs années. Je continuerai donc de proposer des notes de lecture, mais comme j'ai déjà eu également l'occasion de le dire, je fais tout cela sur ma chaîne YouTube de façon gratuite, de façon bénévole, parce que je ne suis pas youtubeur, je me refuse à toute forme de publicité, et étant donné que je fais cela sur mon temps libre et que j'ai un quotidien assez chargé, parfois je ne vais pas relancer de vidéo pendant 2, 3 ou 4 mois. Ce n'est pas que j'arrête mon activité, c'est simplement que je suis sur d'autres projets. Et il est vrai qu'entre l'éducation, la rééducation comportementale, la médiation animale, l'organisation de stages et ma vie privée, réaliser des vidéos me prend du temps parce qu'il faut, les travailler, il faut les monter, il faut les publier. Et généralement, pour une heure de vidéo, lorsque je fais une note de lecture, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près 3 à 4 heures derrière de recherche, de montage, d'incrustation d'apports de connaissances, soit des photos, des vidéos ou des informations diverses. Et bah évidemment, avant de faire la série de notes de lecture, je lis le livre, je l'analyse et j'en apporte une certaine trame. Donc, ça demande un travail assez conséquent. C'est pour ça notamment que sous les sommaires des vidéos, comme les informations sont un peu longues, vous pouvez trouver le contenu spécifique et aller directement sur la partie qui peut vous intéresser. Donc, nous sommes à la mi-août 2021. Je fais cette petite vidéo pas très loin de chez moi. Parce que comme je vous disais, j'ai la possibilité d'évoluer en pleine nature et dans un mode de vie plutôt sain. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, mais en tout cas je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.